offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mercredi. Un mercredi qui commence avec un ciel qui est dégagé, un joli coucher de lune, une température extérieure à 9 degrés, une température à l'intérieur de l'eau à 14 degrés, une marée qui commence à peine à descendre. Le plein bas est à 12h50 avec des coefficients de 91. Sur ce tout début du descendant, le vent est offshore avec un secteur nord-est. Il est faible à modéré, il y a un beaufort des petites rafales à 2. Le plan d'eau est propre, légèrement ridé. Et on a une petite houle moyenne à longue, 9 secondes de période orientée nord-ouest, une houle qui est multipique et en atténuation dans les clous par rapport aux prévisions. 30 à 40 cm en déferlement régulier, 50 cm sur les séries, des fois peut-être un petit peu plus. Mais bon, c'est quand même petit, assez propre, un peu multipique, un peu mou, facile d'accès avec la marée qui est haute, qui commence à peine à descendre, ça déroule avec un surfeur motivé et une planche adaptée. Il y a des petites vagues à attraper ce matin. Il n'y a personne qui check, il n'y a personne qui surfe. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle en lente atténuation avec du vent de nord qui va se renforcer progressivement. La bouée Arcachon est quasiment stationnaire à 1,10 m et 6 secondes et donc à 9h, 50 cm. Houle de nord-ouest, 9 secondes de période. Vent de nord-est, 1 à 2 Beaufort à 13h, 50 cm. Houle de nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-nord-est à 2-3 Beaufort et à 17h moins de 50 cm. Houle de nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-nord-ouest 3 à 4 Beaufort. Meilleur créneau ce matin avec de petites vagues relativement propres. Prochain point à 8h, à tout à l'heure. Merci.